La maison médicale, oui. Allô? Je suis tombée en vélo, je peux venir? Oui, c'est au rez-de-chaussée, la porte bleue avant les ascenseurs. Et la griffe là, c'est le mien. Il la vole à mon père. Combien vous l'avez payé? Peu importe. Peut-être que ton père avait besoin d'argent pour payer son gaz, son électricité. Non, il n'aurait jamais fait ça. Dis merci à madame. Merci. Gardez. Bravo. Regardez. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, tu vas déjeuner avec les autres? Cyril, fais attention. Cyril! Cyril, reviens! Je pourrais venir chez vous le week-end. Si tu ne décides pas comme ça, je dois en parler avec ton directeur. Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant? Non, je suis déjà en retard à mon travail. Je lui téléphonerai. Au revoir. Vous dites ça, mais vous ne le ferez pas. Si, je le ferai. Au revoir. Tu veux un autre sandwich? Non. De l'eau? Je veux bien. Tiens. Merci. Pardon. Merci. Arrête.
C'est quoi? Je t'ai dit. Un bon coup qu'on pourrait faire nous deux. Oui, mais c'est quoi le coup? Bah pour te le dire, faut que je puisse te faire confiance. Tu peux? Sûr? Ouais. Je suis pas sûr, Pitbull. Il y a un petit air de faux cul chez toi. Hey Pitbull. Il y a un petit air de faux cul chez toi. Hey, je rigole. Je te fais confiance, total. Tiens. Ça te dirait de venir habiter chez moi? J'habite déjà ce matin. Tu peux changer de famille d'accueil. Il y a une chambre vide à côté de la mienne. Mes vieux seront d'accord, j'ai qu'à leur demander. C'est eux que je leur demande. D'accord. C'est Samantha. On laisse parler, hein. On se retrouve samedi. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche partout depuis 2 heures. C'est pas de sa faute, il était en bas de la ville avec un pneu crevé. Toi, je t'ai rien demandé. Donne ton vélo. Non, je rentre tout seul. Tu viens avec moi. Salut, hein. Salut. C'est lui ou c'est moi? T'entends, c'est lui ou c'est moi? C'est lui. Gilles! Thank you.